Bienvenue retour sur mon canal YouTube. Aujourd'hui, je fais 3,7 kg de roast beef. Oui, 3,7 kg pour une douzaine d'invités. Nouvel an s'approche, j'ai une chier de boulot. Allons-y. Voilà mes 3,7 kg de roast beef. J'ai 4 pièces. Donc, je vais faire 3 marinades. Une standard, une un peu plus piquante et la troisième un peu sucrée. De la viande suisse, j'essaie le plus souvent possible de prendre des produits locaux. Qu'est-ce qu'on prend comme épices pour ce roast beef? Ça? Oh, gingembre, là! Oh. Pour mes deux marinades standards, j'utilise comme pour les rillettes du sel, sucre de canne brute, romarin et huile d'olive. Et un petit secret. Mon roast beef rub à moi. Cette fois, on a eu un petit nerf à enlever. Là aussi. Mais pas grand-chose. Alors, on a beaucoup de viande à disposition. Pour la marinade standard, comme d'habitude, je vous ai pas montré l'emballage, ça vous avez déjà vu, c'est pas intéressant. Nos deux bouts de viande à 1 kg chacun vont maintenant 24 heures dans le frigo afin de bien mariner. Pour la marinade un peu plus forte, un peu plus épicée, on va la faire demain matin, juste avant d'allumer le smoker, car elle doit juste mariner pendant 3 heures de temps, pas plus. Il est déjà 21 h, ma copine m'a enfin rendu la cuisine, elle a fait l'entrée pour demain soir, un truc avec des tomates, je sais pas quoi, bref. Les ingrédients pour la marinade douce: du miel, de l'ail, du romarin, des herbes de Provence, du sel, moutarde, 4 poivres et l'huile d'olive. Une cuillère de 4 poivres écrasés dans le mortier. Un peu d'ail. Petit peu d'herbe de Provence. Pas trop de romarin parce que dans les herbes de Provence, il y a déjà du romarin. Un tout petit peu de sel. Par la suite, une cuillère de miel. On parle toujours des cuillères à café. Voilà. Une cuillère de moutarde. Ça paraît bizarre, mais il faut vraiment comme ça. Et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et mélanger tout ça. Voilà notre marinade douce. J'ai mis la marinade douce. Maintenant, je vais mettre ça pour 12 heures dans le frigo et puis on se verra demain sur le grill. Et la dernière marinade, vous mettez simplement un peu de sel, du poivre et de la moutarde. Moutarde, vous pouvez en mettre assez, comme ça elle est assez forte. Voilà, j'ai mis 3,7 kg de roast beef ici devant moi. Il fait assez froid dehors, donc je vais chauffer le grill pendant environ 1 heure de temps et après on mettra la viande dessus. D'avoir 60 degrés, et puis comme d'habitude, on a les sondes qui sont prêtes. Comme moi, je prends du hêtre, et d'ici 2 heures de temps, je recontrôle tout ça.
passé. Il fait vraiment froid cette fois-ci. Mais il faut encore une heure et demie au moins, je pense. Mais on va chauffer un petit peu. Ça a quand même pris 4 heures, on y est presque. Un peu de courage. Et à tout de suite à la cuisine. 4 heures après, le meilleur moment de la journée. Elle a bien reposé pendant 30 minutes. Puis maintenant, on va la stresser un petit peu. Et résultat. Le jus qui sort, bien juteux. C'est parfait. Alors, je vais goûter ça. Petit. Parfait. Bienvenue en 2020. Bonne année à tous. J'espère que vous avez tous bien passé le cap. Si cette vidéo vous a plu, donnez-moi un j'aime, abonnez-vous. C'est gratuit comme d'habitude. Reste plus qu'à dire bonne journée et à bientôt.